he the one responsible for my father's disappearance? What if they're... in the basement? No. I'd rather not think of whose blood that was. Oula. Bon, alors. Ah non, mais je suis trop basse là, ça va pas le faire. Hop. Bon, c'est parti. Option. Problème de commande déjà. Ah putain. Vas-y, me joue la manette. Ça va être plus simple. Alors, on en était où là-dedans? Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais plus. Augmenter le volume du jeu parce que... Voilà. Et on va juste baisser... Merde. Putain. Ah. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que ça va comme ça? Allô, allô? Allô, allô? Le son est très bizarre. Oh putain! Casse pas le PC, coucou Zen! Non, c'est juste que j'ai l'impression que son micro est trop bizarre. Dès que je m'entends, j'ai l'impression d'entendre un alien. Comment ça va? J'aurais dû mettre une caméra pour surveiller mon PC. Mais moi j'entends rien dans le jeu. Attends, comment on joue déjà? Alors. Ok. Je sais plus où on en était, hein, mais... Objet ajouté à l'inventaire. Ok. Attends, l'inventaire, il est où déjà? Tu as relancé KOTOR 2. Ah, d'accord. J'ai ramassé du kérosène, tout va bien. Putain, mais j'ai peur que mon son soit dégueulasse. Faut que je m'écoute, faut que je m'entende, attendez. Hein. Il me faut un retour parce que... Alors, attends. Du coup, ça donne quoi, là? Allô, allô? Non, ça va, c'est pas si mal que ça. Bon. Je vois rien. Oh, c'est chiant de tout refaire. Ah ouais, du coup, on a un bon PC, là. Enfin, moi aussi, il est bon, mon PC, mais... Là, on a une meilleure carte graphique, pour le coup. Salut, Hiro. Blazer qui a hacké la webcam du PC. Moi, j'avoue, non, j'ai pas mis la cam, moi. Comment vas-tu, Hiro? C'est quoi cette résolution bizarre?
Ah, d'accord. Non, mais lui, il est au boulot et moi, je joue. C'est bien la vie, hein, t'as vu? Bah, écoute, ça va, tranquille. Encore tourner en 40 ans là-dedans. Je sais pas où je dois aller, je sais pas ce que je dois faire. Non, laisse-toi. Waouh, niveau 44. Alors, quoi là-dedans? Tu dois aller à la suite, ouais, je sais. Je suis en train de voir aussi s'il n'y a pas de. Il n'y a pas de lag apparemment, ça va la connexion. Parce que là, là où je suis, il n'y a pas la fibre, donc voilà. Il a besoin d'un crochet. Dégage le tableau. Et tu sautes, sautes, sautes. Youhou! Attends. On va lire ce qu'il faut faire. Note. Publicité pour l'auberge. Photo à la nuit, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre de mon père? On va aller dans la chambre du père, du coup. Ça fait plaisir de voir un stream tranquille. Ouais, bah ouais, je viens à peine de commencer. Bon, après, c'est un jeu d'horreur, hein. Mais je vais remonter dans la chambre en haut parce que. Remonte. Fais un petit tour là, mais je pense que. Bah, il y a du kérosène à récupérer déjà. Voilà. Puis j'ai un peu les yeux éclatés, mais bon, bref, c'est pas grave. On stream quand même. Il y a tellement de trucs à prendre en fait dans le jeu que qui servent à rien quoi. Je peux tout ramasser. Ça sert pas. Ah, il y avait un dada là. Coucou. Voilà, je t'ai pas respecté. Oh, attends, il y avait une note là. Quelque chose. C'est quoi? LT. LT, oui, pivoter. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas arriver à le remettre droit. Ah, sa maman. Oh putain. Attends. Non. Ah, il y avait peut-être quelque chose là. Ça fonctionne pas comme ça. Ici avec la souris, ça peut-être. Attends. Ah putain, bon tant pis, je me tords le cou. Fine. Gros série. J'ai jamais dit qu'il était parfait pour l'horreur. Voilà. Poubelle ça. Je remonte. Aucun respect pour les signes. C'est quoi encore du kérosène? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bon. Je vois un cercle de chargement. Elle a paniqué mon PC au moins. Mais qu'est-ce qu'il dit? Un cercle de chargement. Ah non, mais mon retour est très fluide, hein, donc. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? My head. You can't come in here. Hear me, you snot. You're not allowed here. Ouais, ça fonctionne bien. Ça doit venir de son boulot. Je lui ai écrit parce qu'en fait, il a pas le fond, donc c'est pour ça que je lui ai écrit. Sortez de la chambre. Non? Attends. They said it wouldn't happen again. Qui est Maria? De quoi elle parle? Quel dommagement? Pourquoi?
J'irai dans la vie d'un homme, n'a pas d'alors à vos yeux. Je vous ai pas demandé 500 ou 1000 dollars, juste une petite somme. Et vous ne voulez pas me donner un rond. Après ce qui est arrivé à mon mari qui a donné sa vie pour votre business, ça va pas se finir comme ça, croyez-moi. Je sais que c'est le PC du boulot. Ah, en plus, il nous troll. Bah, bravo. Waouh, le bug de l'ombre. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. Ok. Quelqu'un joue avec mes nerfs. Je sais plus comment je remets. Ouais, si tu veux, je voulais pas forcément allumer une allumette. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une montre à gousset. Waouh! Oh, j'ai le one shot la statue. Oh, c'est la Vierge Marie. Je suis désolée, pardon. Je voulais pas, madame. Je peux pas la poser simplement? On va me prendre pour quelqu'un d'horrible. Je suis désolée, je voulais pas vous shooter. J'ai pas fait exprès. J'étais en mode... Je voulais prendre la montre, en fait. Si on peut l'examiner, c'est qu'il y a un truc. Ah bah bravo, tu l'as troll. Parle d'accord. La montre de mon père. On m'a dit qu'il avait reçu un cadeau. Mon père a toujours été obsédé par la ponctualité et l'ordre. Je me suis souvent demandé pourquoi il avait... On avait pris la peine de fonder une famille alors que pour tout le... Tout... Ah blabla. N'était que synonyme de désordre et de retard. Le message caché. Encore un message caché. Ah oui, attends. Non, examinez. Tourne. Pour JH de ML. Aucune idée de qui est MH. J'espère que la montre cassée ne ressemble pas à mon écran. Oh. Non, mais son écran, en plus, il est vachement haut par rapport au siège et c'est chiant. Merde. J'ai tout cassé, ça y est, j'ai tout cassé. Attendez. Putain! Ah voilà, merci. La montre a cessé de fonctionner pour de bon, mais mon père ne l'a jamais jetée. Il a essayé de le réparer en maintes et maintes fois en vain. D'accord. Par contre, je suis sur le jeu, là, donc le jeu... Allô? Voilà. Ok. Oh! Du kérosène. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc au fond, là. Ma foi. Ah, je me disais bien que j'étais un petit peu basse. Il y a un tableau par terre. Le truc dans le tiroir. Bordel là. On va tout sortir. Ce sera mieux. Là, il y a un... Ah ouais, attends, ouais. Ah, oh, ça me saoule, voilà. C'est quoi que j'ai ramassé? Ne te retourne pas derrière toi, c'est horrible. Ouais. Pour l'instant, c'est calme, ça va. C'est cool. C'est juste un peu en désordre, mais bon. Alors, il y a quoi d'autre là-dedans? Oh, il y a quelque chose là, du kérosène. Très bien. Très
Très bien, très bien. What the hell? I need to find another exit. Y a quoi là-dedans? Y a peut-être un truc. Ah, oh, évidemment la chaise qui me bloque. Dégage. Boing. Ah, y a un Nimbus 2000 là, tout va bien. Y a quoi? Y a rien. Des allumettes. Ok. Oh putain. Oh mon dieu. Ça promet. J'aime pas les jeux comme ça où t'es sous les... Bleh. Je vais tomber nez à nez avec un rat. Il y a quelqu'un en face. Non? Ou c'est juste une pierre? C'est trop calme, il y a un truc qui va défoncer le plancher. Oh, oh, des petits rats, ils sont mignons. Coucou. Moi, j'ai pas peur des rats en vrai. Des petites souris, je trouve ça trop chou. Un kilomètre en rampant. Ça use. Putain, non, c'était bien un mec qui avait en face. Hein. Je pensais que c'était des pierres, mais pas du tout. Tu m'as fait peur alors que je m'y attendais. Je le savais en fait. God damn it. I feel like this house is trying to kill me. Tu mutes le son. Bah tu sais après. Enfin tu peux hein, mais c'est un jeu d'horreur donc à mon avis. Je sais que t'es un peu sensible à ça. Faudrait que je prenne. Bah demain je pourrais restreamer, après non parce que il est en vacances, mais faudrait que je prenne des petits jeux sur Homestation aussi. Voilà qui est mieux rangé. Attends. Voilà. Parfait. Non, reviens. On va y arriver, je vous promets. Hein. Voilà, mais c'est parfait. Ouais, non, mais c'est parce que ça va plus vite, c'est tout. Bah, à l'époque, j'avais acheté un compte aussi. Là. Mais maintenant, c'est vrai que... Enfin, je voulais genre me refaire Resident Evil. Mais je pense que je vais passer aux versions américaines. Plus fluide, plus rapide, etc. 30 ans après, je le fais, certes, mais... Je me souviens que mon père était bouleversé après cet accident. Quand il a découvert ce qui est arrivé à George, il était même terrifié. Puis en plus, il n'y a pas tous les jeux sur Homestation. Donc, le Rayman, il bug. Il se lance pas. Faut le prendre à part. Hier j'ai pris le Resident Evil 2 japonais là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un crochet, d'accord, mais elle avait l'air bizarre la serrure quand même. Enfin. S'il faut un crochet, mais c'était bizarre. Avec une fourchette, tu pourrais déverrouiller, à mon avis. Ouais, j'ai vu. Ils ont même montré l'actrice. Enfin, je crois que c'est plutôt un mannequin. C'est plutôt un mannequin qui va faire Jill. On a vu son visage. Je me souviens plus de son prénom. Oh, il y a un flingue. Il y a un flingue et un crochet. Elle est moche, moi. Oh, non, elle est pas si moche que ça, quand même. Just in case. Juste au cas où, je ne voudrais pas tuer quelqu'un. Oui, mais bon. Bah, un coup de crosse, après... Bon, tu le prends, le crochet? J'en ai besoin.
Allons à la cave. D'accord. Tu me permets que je boive mon café? Donc. Mais n'empêche, ils l'ont bien gardé secret, leur projet de RE3. Enfin, on savait très bien qu'il y aurait un remake, honnêtement, on le savait. Hein. Même s'il n'y avait pas eu vraiment d'annonce au début, mais... Genre, vous imaginez, il sort en mars, quoi. En avril. Début avril. Genre dans... Dans 4 mois. Mais j'ai trop trop hâte. Beaucoup plus que pour le 2, au final. Après, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment aimé le 2. Enfin, il est sympa, mais bon, sans plus, quoi. Bon, bah, on va pas rester là pendant 3 plombes. Oui, en fait, s'il faut fouiller. Attends, je m'en fous de ça. Je vais juste prendre les allumettes. Chandelier. Je suis pas mal niveau kérosène et tout ça, là. J'ai l'impression que ça va. Julia Vols. Alors, attends. Je regarde sur Google. À quoi elle ressemble ? Julia. Je sais même pas qui c'est. J'espère que tu me fais pas chercher quelqu'un de bizarre. Hein. Mannequin, d'accord, c'est un mannequin. Julia Vos. Ouais, ça va, elle est jolie. Ah, mais en fait, elle avait fait un cosplay de Jill, c'est pour ça que tu dis ça. Elle fait pas mal. Ah ouais, non, mais elle y ressemble de ouf. Ça va ? Je suis tombée sur un cosplay, elle est vraiment pas mal. Puis elle a pas un visage... comment dire? Elle a un visage doux, je trouve. Ça va bien. Par contre, c'est vrai que là, par exemple, la Jill des films de Resident Evil... Désolée pour l'actrice, hein, mais vraiment, je trouve qu'elle a... Elle fait vulgaire, en fait. J'aime pas du tout. C'est quoi, ça? Une des allumettes censées apporter la richesse. Ils la prennent en référence pour les formes. Non, ils vont se servir du visage. Il est fini à 90% le jeu, donc ça veut dire qu'ils ont commencé... Ouais, je pense, ouais. Il y aura plus de changements que dans le remake du 2. Julia est le modèle utilisé pour le remake du 1. D'accord. Ouais, elle est jolie, elle a un visage vachement doux, j'aime bien. George Whitehead. George Tête Blanche. Il aurait pu la donner à mon père en cadeau. Peut-être. Tu peux pas accélérer? Ou peut-être, je ne sais pas. Coucou Sasté, comment ça va? GW. Ok. Arrête. D'examiner. Du coup, il faut aller au sous-sol, là. Ils ont capturé son visage, comme pour tous les jeux qui utilisent des acteurs. Oui, c'est un genre de motion capture, non? Tu sais, ils te mettent des trucs sur la gueule et ça capture ton visage. Comme ça, on oublie de sauvegarder? Pourquoi il a fait quoi? Il a fait une connerie? Regardez, ça bug. On a des draps qui sont en train de fusionner avec le bas de la commode. C'est rigolo. Debout. Bon, bah on va aller au sous-sol. On a le crochet. On peut se casser. Hein? Oh là là! Avec la souris. Ah, attends. Secouer. Quoi? Vous devez... Non, d'accord, j'ai compris le principe, mais comment tu soulèves? Quand le cylindre passe à la ligne, bloquez-le rapidement avec RT. Oui, RT, ça fait pivoter, c'est tout. Ah, d'accord. Voilà comment on produit des livres. Ah, je suis passée au milieu. D'accord, ok. Il a pas sauvegardé à la fin de sa partie. Ah merde.
C'est quoi ces vieux jeux de merde où t'as même pas les sauvegardes autour? Lol. C'était les bons vieux jeux d'avant. Difficulté. Bah ouais, c'est bien en même temps après. Il est bizarre lui. Un cheval en bois. Je cogine. Là, il y a un message caché. À l'époque, il y avait aussi les bons vieux codes qui nous donnaient les mots de passe. Je crois qu'il y avait des mots de passe dans Rayman. Dans... je sais plus quel jeu. Une guerre sanglante a éclaté. J'étais alors trop vieux pour ce genre de jouet. Ok. Pouf. Ça y est, on a une petite ambiance sonore là qui est... ah, un échiquier. Alors, regardons la partie. Depuis quand il y a des chiffres et des lettres? Ouais. Qu'est-ce que... oh, une ceinture. Oh putain, je ne sais pas combien de fois il m'a battu avec, pas étonnant qu'elle soit aussi délabrée. Parfois mon père me battait pour des bêtises imaginaires. Sympa. Il prétendait que je faisais les poches aux hôtes, que je parlais à quelqu'un dans le couloir la nuit et je m'infiltrais dans la mine. Rien de tout ça n'était vrai. Ouais, mot de passe ou carte mémoire, ouais. Au final, il s'est dit que comme je m'étais habituée à ces raclés, il fallait qu'il trouve une meilleure méthode de punition. Oh, c'est horrible! Il a commencé à m'enfermer dans l'obscurité pendant des heures, voire parfois même des jours. Le pauvre. C'était un enfant battu. Quoi déjà? Ah non, il faut la recharger. Attendez. Ah non, c'était une allumette. Bon, on va aller... on va sortir. Ils ont bloqué la porte et on va aller... ouais, j'ai pas tout fouillé, hein, mais vraiment. Il y a peut-être d'autres souvenirs. Ça fait peut-être des succès après, je sais pas. Je dois de là, toi. Mémoire sélective. Je sais pas... quoi qu'il en soit, il était battu, quoi, tu vois. Bonjour, me revoilà. Il faut aller à la cave, j'ai pas envie d'y aller. Ouh, calme-toi. No, it can't be happening. Passer par la porte en métal. Be true. Why did they say I'm safe now if it's coming back? Bah oui, c'est bien et c'est pas bien. Il y avait, je m'en souviens d'un chapitre qui était un peu chiant. Tu devais avec un appareil quantique examiner de l'ADN dans l'air. Enfin, j'ai pas trop compris le délire pour rassembler des souvenirs. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, il vit les souvenirs. Il les vit, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Genre, tu les débloques, ça les rassemble et du coup, ça te fait un chapitre. Je sais pas. Je prends comme ça. Coucou, Afro, merci pour le raid. Comment ça va? The Devil Inside. Coucou, Ofta. Bienvenue à vous, les gens. C'est assez générique, finalement. Ouais, mais après, je me dis, bon, je l'ai commencé, je vais le continuer. Là, il y a une hache. Par contre, les alertes... Streamlabs, t'es pas gentil, hein. Salut, Miliot. Merci pour le follow, Afta, bienvenue. Miliot, pourquoi j'ai dit Miliot, moi? Désolée.
Ouais, du coup, je suis pas avec OBS, je suis avec Streamlabs, mais c'est... J'ai mis le truc, mais apparemment, il n'y a pas les alertes, je vois. C'est chelou, moi, je les ai pas vus, hein. J'ai même pas entendu de son. Il y a beaucoup de phases du jeu qui me font penser à Amnesia. Ouais. Donc, du coup, la porte en fer, celle qu'il faut ouvrir, celle-là. Bah, il parlait pas de cette porte. Attends. J'ai le revolver et le crochet, mais le revolver, il dit quoi sur le revolver? Il a commencé à me montrer comment chasser quand j'étais ado. Chaque fois que je ratais un tir, il me giflait pour avoir gâché des balles. Oh là là. J'ai commencé à progresser plus vite. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Et un jour, ma précision est devenue encore meilleure que la sienne. C'est-à-dire, ça veut dire en gros, tu as tué ton père, c'est ça? Bon, on va ouvrir celle-là, du coup. Alors, là, on disait, on fait pouic. On fait pouic. Attendez. Non. Non, pas du tout. Ça me perturbe, ce genre de truc. Oh putain, non. Voilà. Le journal intime de Genux. Même au niveau du scénar, ils ont choisi la facilité. Ah bon? Ouais. C'est... Bah en fait, ça me dérange pas si le scénario est assez classique au final. Tant qu'il y a une bonne ambiance, tant que ça marche en fait, tu vois, dans le jeu. Tant qu'il y a de bonnes énigmes, une bonne ambiance. Tant que tu ressens la peur et tout, même si le scénario est assez classique, ça peut marcher, tu vois. Comme dans The Dark Occult. Bon, lui par contre, j'ai jamais terminé parce que voilà. Il me faisait tourner en bourrique, mais il était cool. Allez. Mais allô? Et une planche dans la gueule. Il y a un screamer qui va arriver là, c'est obligé. Je le sens trop. Non? Ah bon? Attends. Je suis où là? Ah, y a quelqu'un. Ah! Ah, il me faut penser au gros homme dans Bioshock, je sais pas pourquoi. Donc il y a vraiment quelqu'un. Ah oui, mais il va faire le tour là, Il va me frapper le cul là, attends. Shit, I can't pass here. There must be another way. Non, ils me font. Oh, je peux pas tourner la tête à gauche davantage. De toute façon, pour un bon scénario crédible, il faut des ninjas cyborgs. Ouais. Des robots de 20 mètres de haut qui font des cris de dino et plein de caméras appuyées sur les fesses des héroïnes, c'est important. J'ai vu le screenshot de Metal Gear Solid, là, où il y a une femme qui est par terre, toute nue, avec le cucu à l'air. T'es en parlant de Dino... Eh, le remake de Dino Crisis, on en parle? Ça va être trop bien. Mais non, je maintiens pas RT pour passer. Pourquoi? Passer quoi? Je vais pas passer la scène. C'est le garde de la prison. Ah oui. Ok, il y a une énigme. Il y a du kérosène. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme chelou là? Il y a un rouage apparemment qu'il faut trouver. Par rapport à Conjuring House. Attends. Conjuring House, c'est quoi déjà? C'est un film.
The Conjuring House, c'est le jeu là, Dark Occult, qui a changé de nom. Ça fait peur ou pas? Ouais, il y a des petits screamers, mais après. Quoi qu'à un moment donné, si, il y avait une bonne. Dans un chapitre précédent, c'était assez oppressant, mais là, il n'y a pas vraiment de trucs. Là, c'est plutôt mode exploration, on va chercher un engrenage. Bon app, Afro. Tu pars en cuisine, tu vas nous cuisiner quoi? Enfin, te cuisiner quoi? Blood, the metal rod. These are no phantoms. Ah oui, c'est celui-là. Lost my mind. Not this time. Bah, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même chose. Elle a été pliée par la force de l'impact. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment examiner encore ou attends? Non. Il n'y a pas un petit nonoï qui me donne un indice, comme d'habitude? Bon, rien de spécial. Qu'est-ce que c'est? It looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. La victime était un juge. Mais pourquoi le ravisseur a-t-il apporté cette perruque dans la cave? What was his name? Norton. Un juge qui venait chez nous, Norton. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How was that possible? And the other man? Attends, mais c'était moche, n'empêche. He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance. And about all the other missing people. Mais là, en fait, il n'y a pas de monstre qui nous poursuit comme dans Conjuring House. C'est pas la même chose. Prends. Bah voilà. Hopefully it will fit the mechanism. I need something to open that door. I should look around the room. Attends, déjà on va poser ça. Là, à mon avis, il faut un... Ah bah voilà. C'est un peu trop simple, je trouve. Attends, je bois mon café. Alors... Non, ça fait... Merde, non. Elle est pas coulissante du tout. Oh là 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 là. The judge is bleeding heavily. He will look for help. Suivez les traces de sang. Ok. Attends, je vais plutôt prendre ma lampe parce que... Baisse-toi. Non, j'ai dit baisse-toi. On a une petite ambiance sonore là qui nous laisse comprendre qu'il va se passer un truc. Par contre, le sang, c'est vraiment dégueulasse par terre. C'est pas beau, c'est mal fait. Franchement, c'est mal fait là. Autant le jeu, ça va, mais le sang... Un truc fluo. Bof, c'est moche. Attends, on peut pas tirer ça? Non, on peut pas. Coucou Kiwix, comment ça va? Bon, je sais qu'elles sont pas par les traces de sang, mais... ça s'arrête là. Je remonte, hein. Je vais pas m'emmerder, rester dans une cave. Avec des gens bizarres. Ça va, ça va. Je peux m'en servir pour le pister, mais tu en vois où? Ah, ok. On va aller là. Mais elles sont super visibles, en fait. À mon avis, on en aura une grosse partie dehors, là.
Eh mais on peut pas remonter la chaise là parce que je suis vraiment trop basse. Chiant. Je vais mettre des coussins. Ou je vais jouer debout. C'est embêtant. Bon, alors. Parce que du coup, ça me fait un reflet noir, mais c'est pas cool. Bonne nuit, Kiwix. Juste un truc. Attends, je vais sourire. Genre, on peut mettre... J'ai envie de tester. Voir si ça passe. Oula, non, ça lagouille. On va éviter. Oh là là, ça me rappelle Home Sweet Home 2. Oh non. Le moment où je dois traverser des marécages avec des petits hommes qui te poursuivent. Que tu cours à deux à l'heure. Bon, lui court un peu plus vite. L'auberge. Par contre, les chapitres ont l'air assez variés, ça c'est bien. On reste pas enfermé comme à la mode de Resident Evil, les manoirs et compagnie, en faisant des allers-retours. Bon, après, c'est un concept aussi, mais là, chaque chapitre, on n'est pas que dans la maison, j'aime bien, ça change. Mais il y a trop de trucs! C'est quoi? Oh, c'est des balles! Oh mon dieu! Je vais devoir tuer des gens? Pourquoi j'ai un flingue? Enfin, mais non! Un jeu d'horreur où on peut se battre, où on ne fuit pas. Mais je sais pas tirer, moi je suis en mode panique en FPS. Don't come any closer. Oh, je FPS. Don't clavier, manette, pas du tout. C'est pas moi qui ai tiré, hein. Je tiens à vous le dire. C'est lui tout seul qui tire là. Voilà, là c'est mort. What? He's vanished into thin air. Vicieux. Attends. Oh putain! C'est quoi? Cours! C'est moi qui ai tiré n'importe comment, mais... Comment on ramasse? Je sais pas comment on ramasse, putain. Y'a quoi? Oh putain. Meurs! Salaud! Il ramasse tout seul. Revolver, oh c'est mon PLS. Ah oh ouais, non mais... Il les a ramassés tout seul ou pas? J'ai pas fait gaffe. Putain, j'ai un flingue. J'adore recharger pendant l'action, mais c'est ça. Tower à gauche. Ok, je veux pas prendre de risques. Je cours, hein. Je sais pas où je cours, mais je cours. Attendez, laissez-moi mettre du kérosène dans ma lampe. S'il vous plaît. Voilà. On va un petit peu fouiller même si on voit pas grand chose. Bah c'est pas mal en fin de compte. Ouais, comme je disais, ça change un peu là. Je me suis perdue. Je vais en arrière mais on pouvait tourner à un moment donné. Oh là là. La route elle est là. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux toi? Dégage. Dégage. Il me fait peur. Connard. This is useless. Will finally leave me alone.
Allez là, je suis déterminée, c'est bon. Mais passe. Tu peux pas ranger ton flingue. Je peux pas ranger le flingue. Du coup, je vais te tirer pour rien là. Non, pas du tout. C'est pas les 10 secondes de jeu en mode action qui ont vendu le jeu à Dread. Je sais pas s'il a bien aimé Dreadbone ce jeu. Je crois qu'il était assez mitigé. Là ça va, franchement. J'apprécie la partie là, ça va. Bon, je pense qu'il faut rentrer dans le truc, mais. Il a pas aimé, ouais. Bah le chapitre 3 était assez chiant, je dois l'avouer. Mis à part ça, ça va. Bonjour. Où es-tu? Où es-tu? Je t'entends. Ah, ok, t'étais derrière moi. Aïe. Non, mais par contre, il va vite falloir que je trouve comment. J'ai tiré dedans, ça marche pas. Est-ce que du coup, je peux même pas déplacer les objets là? Vu que j'ai le flingue en main. Donc. Pas me baisser? Je veux rentrer là. Oh là là. Je crois que je vais mourir. J'ai plus de balles. Faut que je recharge. Leave me alone. Leave me alone. Lol, Hiro. Il a pas aimé. Il a pas apprécié, ouais. Pour moi, le souci, c'est que le jeu, c'est 45% d'amnésia, Ethan Carter et le reste d'originalité. Tu l'as fait ou pas, du coup? Tu as juste vu des let's play, ça se tient, non? Mais est-ce qu'il faut vraiment aller par là? Peut-être pas. Je vois pas où aller d'autre, hein. Il me saoule. Beast Inside, j'ai vu Dread et à coup dessus, ouais. Par contre, il va vite devenir chiant, lui. Aïe. Merde, s'il te plaît. Là. For God's sake, die! Le mec il sait pas déplacer des caisses. Plus de balles, c'est cool, je vais mourir, je dois recommencer. On est d'accord que. Pas du tout. Bon. Tant pis, je laisse tomber cet endroit. De l'eau, bah remarque qu'il y a une rivière à côté. Ah bah attends, par là. Mais j'aimerais bien fouiller quand même un petit peu avant de tuer les traces de sang. Objet ajouté à l'inventaire. J'ai ramassé quoi? Des balles? Putain, y a le mec. Ah, je me fais. Oh non! Il est bloqué, non. Dégage. Il y a trop de trucs. C'est bon, il ramasse tout seul en fait quand t'es en mode jeu là. En mode jeu bien sûr. En mode pampan.
Ouais, c'est la petite phase combat, quoi. Bon, je vais pas dire qu'elle a pas grand intérêt, mais c'est toujours sympathique après. C'est assez linéaire aussi. Parce que franchement, les traces de sang, mais tu les vois à des kilomètres, hein. Alors, qu'avons-nous là? On est perdu dans les bois, c'est magnifique. Ah, notre ami de retour. Je cours, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, attendez, on va revenir sur la route quand même. Voilà. Attends, mais j'ai fait demi-tour. Comment ça se passe? Oui, j'ai fait demi-tour. Je crois. On va viser les lanternes, on va pas dériver. Ok, on était passé là. On prend les escaliers. Oh, wow, 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 se calme. Ok, salut. On va y reprendre la vie tout seul aussi. Ça va, non? Oui. Alors. Merde, j'ai perdu le chemin, putain. Tu vois vraiment rien à 2 mètres devant toi. Non mais là t'es pas censé me toucher hein, vu comment j'ai mis un écart entre toi et moi. Merde. Aïe. Oh, bobo. De guerre. Malheur à vous. Oh, malheur à votre. Oula, le jeu a galéré pendant un moment là. Bonjour. Du coup là c'est fermé mais il faut aller là donc. J'ai tiré dans le cadenas, ça marche pas. Le nombre de balles qu'on a. Il va y avoir un truc. J'ai mal fouillé quelque chose, je pense. Bah ouais. Ok, on retombe là. Pas déverrouillé. Non, pas du tout. Bah c'est reparti hein, pour une course. Effréné. Pour échapper à la mort. Attends, attends, tu peux pas branler toi. Non. Mais genre. Mais non. Mais quel boulet! Vous êtes mort. Ça marche, bonne course, ça c'était. Putain. Elle me remettait pas au début de la course, hein, parce que ça va pas le faire. Vous mortez. Piu piu piu. Alors, je suis où?
Ouais, ça va, je suis là. Ils ont été cool. Et on court. Mais putain! Bullets only keep them away for a while. Va tant de succès, merci. Alors, on continue. On n'a pas envie de fouiller aux alentours. Morté par des hallucinations. Yeah. Oui, oui, oui. Ça a été corrigé, ça d'ailleurs. Dans... Oh putain, d'ailleurs, j'ai même pas fait les soldes de Steam d'hiver encore. Daymar, je crois qu'il a 19 balles pour le coup. Mais du coup, Dreadboom m'a vraiment donné envie de l'acheter. Puis je vais encore mourir. Comme il disait, comme la plupart des gens disent, la démo pacifiée. Du tout. Parce qu'en fait, la démo, c'est le jeu le plus pourri. Enfin, la séquence de jeu le plus pourri avant le jeu, quoi. Je pense que pour 19 balles, je le prendrais bien sur Steam. Daymar. Et j'ai reperdu la route. Putain. Allez, ma lampe est vide. Il est coincé. Ouais, il a été amélioré. Ah, salut. Attends. Aïe. Mais ça suffit. Mais je vais... Bon, à mon avis, je dois aller là où il était. Je dois aller là où il était. Ok. Oh là là. Faut que je regarde un petit peu les jeux d'horreur qu'il y a sur Steam. Bon, même si j'ai quasiment tous les jeux dehors de la Terre, mais il doit bien m'en manquer un quelque part. Il m'a fait des choses dans le buisson, mais oui. Ah, mais non, il m'énerve à la fin. Mais ça lui a rien fait. Je vais tirer une balle. La première, je me suis loupée, on est d'accord. La deuxième, logiquement, ça aurait dû lui faire un truc, là. Ça marche, Hiro. Bonne journée à toi, du coup. Et merci d'être passé. Crache pas trop. Non, ça va. On va gérer. Le jeu vraiment auquel tu es super bien, c'était quand même en place 2. Par contre là j'ai mis une balle en mode n'importe comment et ça lui... Ça l'a fait disparaître. Si je m'écarte du chemin, ça va pas le faire. En fait, dès que l'écran devient vert, brouillard, il apparaît. Et merde, il y a un feuillage. Ah là, j'étais morte derrière. Et en gros, lui était là. On va continuer par là. There's an inn not far from here. Better check that place. Oh bah oui. Visite l'endroit pendant qu'il y a un mec qui te poursuit. En même temps, c'est bien parce que... Il y a des gens qui ont laissé des balles là sur la route. Regardez, il y a plein de gens aux fenêtres. Putain, tu es mort. J'ai un boss. Bossou. Alors, bon. C'est quoi ton script, tes patterns, tout ce que tu veux là. Ouais, on
crame tout. On va tout cramer, on va tout faire péter. Il est où? Ouais, simplement à le couper, non? J'imagine. Ah non, il a dit que ça le faisait pas bien. Là, c'est fermé. Ah, il me balance des haches comme dans la requête. Connard. Wow, 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 wow. C'est quoi ça? Ok, alors là, faut pas s'y approcher. Il y a forcément un truc à faire. Et merde. Bon, je sais pas si les balles font quelque chose. Enfin, si, ça lui fait quelque chose. Il est pas content, là. Il est où? Allô? Aïe! Arrêtez de me balancer des choses, c'est pas poli. Mais putain, recharge! T'es sérieux? Attends, il y a un truc là, c'est quoi? Des balles, simplement. Ok. Il est où ce connard? Il est où? Ouah, il y a une hache qui est passée. Il est là. Mais j'ai... Je vais le frapper, hein, pour de bon. Peut-être quand il est comme ça, on peut le toucher. Oh, il me saoule. Je vais mourir comme une grosse merde alors que c'est un boss de merde. Si vraiment on peut se toucher comme ça, mais... Ah, c'est tout. Oh putain, il fait quoi? Il fait quoi le con? Aïe. Il doit avoir trois phases, hein. Oh putain. Mais non, j'étais en dehors d'une image de sang. Aïe. Oh, je fais du caca. Cours, putain, sérieux? Ouais, tu sais pas quand ça fait effet ou pas, c'est ça? Bah, tout à l'heure, excuse-moi, les balles... C'est juste pour le repousser, mais là, ça va finir par le tuer, peut-être. Je peux pas mourir à... avec un boss comme ça, c'était trop lent. En vrai. Je suis mal visé. Wow, 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 Coco. Cours. De la justice, c'est tout. Mais d'habitude dans les jeux c'est toujours trois fois qu'il faut le faire. Mon dieu, ça déroge à la règle. Il était nul en fait. Il était complètement nul à chier. Et là comme par hasard, c'est ouvert. Mais non. Tu es.
Il lui a coupé un bras. Il lui a planté le cœur. Il lui écrase le crâne. Ah ouais, j'ai vénère. Et moi, il va me faire quoi? Il va me laisser en vie? Je pense que le chapitre est fini, là. Ouais. Restaurer la vieille cabane n'est pas le défi le plus difficile que je dois affronter. Ici, il se passe des choses franchement bizarres dans le coin. Quelqu'un a pris un fusible à feu intérieur d'une carcasse de cerf. Je me souviens de ça. Aux mémoires de Nicolas. Mais je n'arrive pas à faire tout à fait la connexion.